Chers amis, je vous accueille à Bugarach, un très très haut lieu, bien entendu, de l'histoire. Et bien, vous avez ce pic Bugarach juste derrière moi. Et donc, il se situe au fond de la vallée du Razès. Et vous savez que ce lieu est environné d'un nombre considérable de mystères, dont certains sont traités dans quelques livres de Jules Verne, le célèbre auteur dit de science-fiction, mais de beaucoup plus que de la science-fiction. Voilà, nous rentrons dans l'église Bugarach, une toute petite église, mais pleine de particularités. Alors, ce qu'il y a de particulier ici, ce sont les vitraux. Donc les vitraux sont récents, sont en fait du 19e siècle, donc ne correspondent pas à la création de l'église qui doit être du 11e, enfin je vous passe les détails, il y a des parties 11e, 15e, 16e et les vitraux du 19e siècle, donc ils ont été rajoutés à la fin et on ne sait pas trop par qui. Donc dans l'histoire secrète, ces vitraux ont une importance parce que si vous regardez bien en détail sur les vitraux, les personnages n'ont pas de visage. Et c'est très curieux d'avoir des personnages qui n'ont pas d'expression visuelle, sauf... Et voici le balcon des capitaines, où Jules Verne, quand il était ici, bien était sur ce balcon, et avait une vue imprenable, bien entendu, sur le pic Bugarach, et certainement écrivait des œuvres ici. Il ne pouvait pas être mieux qu'à cet endroit. Bon, mes chers amis, voilà un lieu extraordinaire qui s'appelle Les Capitaines. Vous verrez pourquoi ça s'appelle Les Capitaines, et au pied toujours du fameux pic Bugarach que vous voyez là, exceptionnellement sous un autre angle, hein, c'est pas l'angle habituel des cartes postales, on est un petit peu sur le côté, mais bon, c'est toujours ce fameux pic célébrissime hein, dont on va parler un petit peu dans le cadre donc d'un exposé sur Jules Verne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire ésotérique, on peut toujours se demander qu'est-ce que Jules Verne peut bien faire par ici. Et donc il y a une raison, hein, vous verrez après. Donc je vais vous présenter les choses de la façon suivante. Jules Verne, un peu quelques notes sur sa biographie, sur ses œuvres. Hein. Donc l'écrivain, sa vie, son œuvre, si on peut dire, très très court, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas le but de l'exposé. Ensuite, eh bien, de voir qu'est-ce qu'il a écrit de particulier d'un point de vue ésotérique. Et en particulier dans ce cadre, qu'est-ce qui concerne Bugarach et Rennes-le-Château. Et à la fin, on posera, disons, un problème crucial. Qu'est-ce que Jules Verne a voulu nous dire? Et surtout, comment savait-il tout ça?